Donc, Brahim Diaz, adapte à la Brahim depuis assez longtemps. Le joueur, bien sûr, qui nous intéresse, il nous a toujours intéressé. Des bons joueurs, ça nous intéresse. Maintenant, comme je l'ai dit, dans le moment où si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Mais comme j'ai dit, j'ai l'équipe nationale, c'est-à-dire que tu es à 100% convaincu, ni l'équipe nationale a raté, comme ça a raté l'équipe nationale. Si de ces deux côtés, on n'est pas sur la même longueur d'onde, eh bien, l'équipe nationale, moi qui est Jiouch ou qui est Rtabo, qui est Brev. Moi, ce qui me concentre, c'est aujourd'hui, c'est souvent les joueurs qui sont avec nous, ou qui disent le choix, comme Hadli, comme Diop, comme Harit Kbel, comme Ziyech, comme Kamini, Rtabo, le Maghreb, la Hakimi. C'est des choix du cœur, comme je l'ai dit, et je reste toujours sur mon mode de pensée, même si les gens ils pensent le contraire. Mais mon travail en tant que sélectionneur, c'est à chaque fois de voir un peu Tartar ou Tadam al-Aba, les Andoum Bahoum ou la Imerum Maghrebia, je ne sais pas, l'état d'esprit, les Andoum ou je vais m'y aller à Boumana. Ou Mi Shinab ou la Chirto Barahim Diazana, ça veut dire qu'il sera convaincu de venir jouer avec le Maroc et qu'il donnera 100%. Si vous ne le voyez pas, c'est que ce ne sera pas le cas. Donc voilà. Mais c'est un joueur, bien sûr, qui nous intéresse. Deuxième cas pour Sofiane. Je ne sais pas si vous avez vu la liste, mais quand vous avez vu la liste, bien sûr que Sofiane a une chance de faire ça. Je ne sais pas si vous avez vu la liste, je ne sais pas si vous avez vu d'autres joueurs qui sont en Stélo, qui sont en Moustawa. En particulier, Alej Sofiane, maintenant je crois que c'est un des meilleurs joueurs aussi en Arabie Saoudite. Lui aussi pourrait mériter. Il y a plein de joueurs qui méritent. Tu sais, ma liste, elle n'est pas à 100%. Moi aussi, quand il y a des erreurs, moi aussi, il y a un dernier mode de pensée. Lyoum, j'estime que les joueurs, les individuels, que ce soit Zebzouli qui joue au Bétis de Séville, qui a 23 ans, Sofiane Diop qui a 24 ans, Adli qui a 24 ans, Hakim qui a l'expérience et qui peut donner sur les côtés. Il y a un joueur comme Sofiane Doufal, il m'a dit Lyoum, qui lui aussi, il est parce que Hatanaf Coupe du Monde, un de Makench. J'essaie d'être le plus logique possible. Après, c'est ce que je dis, il y a des choix de carrière, les Keïdélo, que tu pars d'un peu plus loin que chez Wahdi. Bien sûr que Sofiane, il aurait mérité, il peut encore mériter, il peut encore avoir sa chance, peut-être à Tchouf, la Coupe d'Afrique, ou là, Traf Moustawa, que des joueurs ne sont pas bons. Aujourd'hui, ma décision, c'est celle-là. Mais si j'ai rien contre Sofiane, Fali Barennesi Goulot, Sofiane de l'Aix, Sofiane, c'est un joueur que j'adore, Rahimi, que j'ai toujours aimé quand il était au Raja. Il a porté le Raja sur ses épaules. Aujourd'hui, il a fait le choix, je ne sais pas à quel âge, 23 ans, 24 ans, d'aller à l'Aïn, d'aller jouer aux Émirats. Il performe dans ce championnat, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des joueurs qui sont devant lui aujourd'hui, en termes d'âge, de compétitivité. Kenin Keyabo, l'Europa League, Kenin Keyabo, la Conférence League, Kenin a un futur, Nigeria, Malik Nassar, Malfraki Dialon, et c'est comme ça que je vois le football aujourd'hui. Maintenant, Alhamdoulilah. À un moment donné, je n'appelais pas Alhamdoulilah, et à un moment donné, j'ai été convaincu qu'il pouvait m'aider à Sofiane de travailler. J'essaie de faire le choix le plus logique. Mais par rapport à ta question, je peux te poser la même question. Pourquoi tu ne parles pas d'autres joueurs comme Batna, comme d'autres? Pourquoi Rahimi en particulier? Ok, Batna aussi. YouTube. وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.